Voilà, on est avec le Jean-Pi et on s'apprête à prendre le bateau pour aller là-bas, dans cette direction, pour reprendre un minivan qui va nous emmener du côté des 4000 îles. Allez, on fait un point incessamment souple. Opération réussie pour la MTM. Nous sommes de l'autre côté. Hein, mon petit Jean-Pi. Voilà, première panne moteur du voyage. Ce qui permet aux Jean-Pi de se bouffer des petites cahuètes au poulet. Voilà, on est un peu immobilisé par une panne de moteur de ce car. Ce car qui est là. Et a priori, on en a pour un petit moment, selon notre ami Pierre là-bas qui est mécanicien de son état. Donc on va voir nos amis laotiens, mais à mon avis, on l'a un peu dans l'oignon. Voilà, voilà, il change la pièce. On n'est pas sorti de l'auberge. On va partir en stop. Kassan. On s'apprête à prendre le bateau pour la Domcon. Alors leur petite plage elle ressemble à ça, c'est un peu dégueu. Et le Jean-Pi avec son sourire enjôleur. On part sur Domcon. On a un nouveau pote-pote, c'est un mélange entre un renard et un chien. Nous l'appellerons donc Foxy. Alors, Foxy. Jean-Pi, on est où là? Le temple du bout du monde sur les 4000 îles. Donc, c'est-à-dire que nous sommes au fin fond de la Pampa et c'est foutrement joli dans le coin. Complètement au fond de la Pampa! Au niveau du sud lodge. Ok, nouvelle équipe, nouvelle expédition, Margot et Pierrot nous accompagnent, et le Jean-Max, nous sommes sur l'île de Domcon et nous partons à la découverte de cascades. Il fait chaud. Il fait chaud, c'est loin. Mais c'est beau. Crétin fini. Suite du trek, forêt de bambou, waterfall, Jean-Pi. C'est parti! Nous voilà dans la forêt de bambou! We'll be right back.
C'est dur la vie, hein. C'est pas facile tous les jours. Hein.